Bonsoir, bonsoir. C'est les étapes d'imitation. Allez, on se retrouve donc pour les étapes d'imitation best intro ever en GBZ. Alors j'ai fait deux, je crois que c'est le deuxième ou le troisième épisode en GBZ. Je l'ai fait une fois en tant que médecin. Direct, balancez vos compos pour les prochains vendredis, parce que c'est tous les vendredis, voilà, on s'en fout. Et aussi c'est la 500e vidéo aujourd'hui sur la chaîne, dont à peu près 450, 400, 460 on va dire, sur Boom Beach. Donc voilà, ça me fait plaisir d'être toujours aussi fidèle à ce jeu et à vous, par la même occasion. Voilà, gueule de merde, tête de merde et blague de merde. Allez, c'est parti! Eh bien les amis, on se tente tout de suite les étapes d'imitation en GBZ. En espérant que ce soit un petit peu plus compliqué, même si j'avais utilisé 8 ou 7, 8 attaques lors de l'épisode de la semaine dernière. D'ailleurs, je crois que c'était en tant que médecin. Je crois que c'était en tant que médecin. Et ça m'avait beaucoup plu, parce que ça change un petit peu. Bon, voilà, la base de Yong, 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 on l'a battu assez facilement. Bon, c'est pas de sa faute, il est niveau 8. Et c'est pour ça dire qu'on se concentre tout de suite sur l'épisode 2. Sur la partie, enfin la base numéro 2, vous avez compris, j'espère. Et ce qui est cool avec ça, bah, comme tous les événements, c'est qu'on a le même partout. Donc si ça peut vous aider, bah, c'est gratuit, hein. Là, il est niveau 15 par contre. Ok, donc lui, il s'est fait plaise avec les mines. Et ben, alors, on va voir d'ailleurs sur chaque base s'il y a une statue verte. Ici, on la voit. On va l'appeler Paul. Voilà. Donc, Paul, c'est le nom des statues vertes. Enfin, d'une seule statue verte. Parce que Paul, s'ils s'appellent tous Paul, c'est chelou. Alors je vais essayer de pas avoir de pertes quand même. On va pas essayer de. On va pas faire n'importe quoi. Je pourrais même détruire la canoë, le QG, je crois que c'est ce que je vais faire tout de suite. Et ça ne doit pas suffire. Et si ça suffit, faites de même, hein. Ne perdez pas de temps. La base de Sheffield. Ah! Alors, est-ce que chef c'est anglais ou français? Non, chef. Il y a un I entre le H et le E, je crois, en anglais. Donc je crois que c'était un français. Si je ne dis pas de conneries, si un anglophone, même si je suis pas une grosse merde non plus en anglais. On se concentre sur l'étape 3, je kifferais, putain, voir ma base, putain, je kifferais. En plus d'être possible. Attendez, il y a encore un Paul. Alors attendez, Paul de fer. Voilà, on va s'appeler comme ça. Paul de fer, Paul d'or, Paul de bois et Paul de pierre. Non, j'ai déjà dit. Paul de pierre. Heureusement que la pas à pied de pierre, sinon on se ferait pierre de pierre. Ta gueule. Allez, c'est parti. Alors lui, il a mis les mines à l'entrée. Du village. Je sais pas si quelqu'un vient de comprendre ce que je viens de dire, mais moi non, en tout cas. La base de Yangjong. Alors, apparemment, c'est une adresse mail. Donc, je crois que c'est Hotmail. Par contre, il n'y a pas écrit .fr à la fin. Voilà! Allez! On attaque! Alors, par contre, je suis con parce que je démine même pas. Je vais attaquer sur le côté. Ouais, par contre, ça fait un très bel arc-en-ciel. Les statues. Mais je crois que c'est pas le but du jeu, en fait. Ce que n'a pas compris jangpong@hotmail.fr d'ailleurs, lors de cette étape 3. Alors par contre, je suis un petit peu méchant à critiquer les noms de ces personnes donc, asiatiques, mais c'est tout simplement de l'humour. Bon, personne ne m'a saoulé avec ça pour l'instant, mais si jamais ça vient dans les commentaires à me dire « Ouais, c'est pas bien, raciste et tout », eh bien il y a d'autres chaînes qui parlent de documentaires sur les chauves-souris, vous allez voir, c'est super passionnant. Un renseignement, tranquille. Alors par contre, oui, j'ai une malédiction, faut que je vous le dise, ça fait 2-3 jours, en détruisant mercenaires garde noire, j'ai que des petits cristaux, donc des fragments, aucun cristaux moyen, ni gros en fait. Et pourtant, j'ai cette statue-là, donc chance de perdre de 72%, donc je le dis officiellement devant tout le monde en vidéo maintenant. Cette statue ne sert à rien. Voilà, ça c'est dit, je crois que je vais la changer bientôt. Alors après, pour mettre 3 ou 4 points de cadeau en plus à la place, je sais pas si c'est vraiment rentable. Ok, donc là ça se complique. D'ailleurs, c'était un gros gros débat ça par contre. Et moi je kiffe en fait les débats parce que c'est en faisant des débats qu'on avance. À ne pas confondre avec ébat, d'ailleurs. Bon, on avance aussi en faisant des ébats. Mais ouais. T'es vraiment en train de dire de la merde dans cette vidéo. C'est vraiment la vidéo collector. C'est la vidéo collector, celle où un maximum de blagues se réunissent pour ce 500e épisode. Où on l'espère, je ne vous fais pas chier et je ne vous ennuie pas avec ces blagues pourries. Pas d'autre. C'est un florilège de blagues. De blagues. Déjà, j'aime pas ce mot. Non, je vais pas le dire tout de suite, dégueulasse. Il faut, parce que c'est ce qui a fait
cette chaîne, c'est le mot dégueulasse, il faut quand même que je le prononce un petit peu. Alors là, au lieu de dire de la... je vais pas le dire tout de suite. Au lieu de dire de la merde, réfléchis. Il y a Electrocanon, il va me saouler, je peux pas encore le friser. Je vais le friser tout de suite. Excellent. Il y a un super canon, il y en avait un à droite, les bestioles sans nom, sans son occupé, donc ta bouche. Et puis là, je vais refriser et je vais me focaliser à droite. Et bien, j'ai aucune perte pour l'instant. Et là, comme par hasard, il y aura une perte. Et je vois notre... Oh putain, ils ont speedé. Alors, je suis pas boosté. La base de TS61 aujourd'hui, enfin, l'étape 4 d'aujourd'hui, c'était TS61. Et regardez, j'ai toujours pas de cristaux. Mais les mecs, je sais pas, c'est pas une malédiction en fait, je crois que c'est fait exprès. Franchement, ça me saoule. L'étape 5. J'ai l'impression que c'est toutes les mêmes. C'est toutes les mêmes. Putain, je m'en souviens quand on commence à avoir notre troisième lance-roquette et il est petit par rapport aux deux autres. Franchement, c'est chiant pour le placer, mais là il l'a très bien placé parce que c'est en symétrie. Vous le savez, je kiffe la symétrie. Non, je vais pas encore dire que c'est dégueulasse. C'est pas encore le moment pour le dire. Je suis sûr qu'il y aura un moment important. Le moment important. J'aurais pu le placer au moment des ébats, mais non, pas tout de suite en fait. Alors, donc ça c'était pour la super mine qui n'a même pas été détruite. Bah, c'est cool. Je détruis les deux lances. Roquette, j'envoie des bestioles. Bon, je dois me détruire le lance-roquette là, même s'il me sert un petit peu à rien, c'est pas trop grave. Je vais renvoyer des bestioles. Je vais friser surtout le super canon. Et le canon, même s'ils sont tout petits, je détruis la tour de sniper. Je continue de longer sur la droite. Je soigne mes troupes. C'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais en fait, j'essaye d'avoir aucune perte. J'ai cru que j'avais un camp de la mort. En fait, non, pas du tout. Hop, et là, je frise. Nickel. Alors, étape 5. Alors là, à mon avis, c'est un grec. Weron. Bon, c'est pas un W en plus. Mais je crois que c'est grec en plus. S'il y a des grecs dans la salle. Non, c'est pas... C'est pas grec. C'est pas russe. Non, c'est russe. Bon, je sais pas. C'est un joueur niveau 53 qui avait une base sympathique. Aucune perte encore. Ouais, toujours. Je sais pas quoi faire, désolé. Toujours pas de cristaux. Ah bah putain, ça fait 3 jours. Bon, un seul éclat de magma, ça ne va pas changer. Le monde, 6ème base. La fameuse base, j'avais exactement la même base. On n'avait pas vu s'il y avait des pôles. Dites-moi si vous avez vu des pôles avant. Non, là il n'y a pas de pôle. À moins qu'il ait caché un pôle, mais ça m'étonnerait. Alors là, par contre, grosse connerie, c'est d'avoir placé ces 4 bâtiments là à côté. Alors je pouvais les friser en avançant, mais après le freeze va coûter 40, grave beaucoup de points en fait. Donc c'est pour ça, et puis surtout ne pas mettre de lance-roquettes à côté de 3 autres bâtiments, que ce soit défensif ou non. C'est encore pire si c'est défensif. Anacon. On peut dire qu'il est... Non. Je ne vais pas finir... Aujourd'hui, je ne finis pas mes phrases, parce que j'ai du respect, parce que c'est... Peut-être qu'en fait, ce sont tout simplement des gens qui ne regardent pas des vidéos sur YouTube de Boomich. Et justement, en regardant des vidéos de Boomich, on peut... on apprend beaucoup de conseils, en fait. Et c'est ce qu'il n'a pas fait. En tout cas, c'est une preuve. Alors là, je vais avoir peut-être des pertes. C'est même une certitude. Je vais refriser le graporteur, parce que là, c'était sûr et certain, je serais mort, sinon... Tiens, j'ai détruit le super canon ici, il a encore en vie, je ne sais même pas pourquoi, nickel. Je vais perdre un Zuka ici, nickel. Ok, première perte, c'est parti. Normalement, j'aurais assez de troupes quand même pour finir l'étape 7. Là, il y a une statue bleue, ah, statue de dégâts, d'accord, la statue de dégâts est boostée, je l'avais pas vu encore. Celle-là, c'est pour ça, je me disais aussi, même si t'es niveau 60, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Et puis là, tranquillement... Un Zuka de perdu, 1, 2, 3, 4, 5 gros bras quand même de perdu. Bon, je ne suis pas boosté après, bon, mais putain, aucun cristaux, acide 2. Mais putain, mais comment tu veux faire des shaders avec ça? Alors, je sais pas si c'est tout le monde le cas, c'est pour tout le monde la même. Mais pour moi, franchement, je suis déçu. Alors là, statue des... Ah, il y a un pôle de pierre. Là, ça ne... Non, ça ne le fait pas, là. Là, je suis désolé, non. Alors après, t'as boosté, t'as... Attends.
ta statue chance de pierre de puissance est boostée et elle donne 68. Donc à la base, elle donne 34. No comment. Je ne vais rien dire. Alors après, t'as vraiment pas de chance comme moi avec les cristaux. Bah toi, c'est la chance de pierre de puissance. T'as toujours eu du 30, du 20, du 10. Bon après, chacun ses emmerdes. Alors je vais renforcer mes troupes. Je vais utiliser des diamants. Et puis on va se faire ça tout de suite. 21 diamants, c'est pour vous. C'est cadeau. J'espère que là, on va y arriver. Ouais. Bon. Franchement, j'ai de la chance sur plusieurs points. Notamment, déjà la statue bleue n'est pas boostée, enfin en tout cas santé. Et je vais. Ouais, et surtout lance électrobombe ici, électrocanon sont à côté, le super canon, donc je peux pouvoir les friser d'un seul. D'un seul coup. Là, je l'ai fini tranquillement, et puis je vais longer sur le côté gauche, comme je le fais très souvent. Ok, et puis là, on va réussir, enfin en tout cas, j'espère. Avec ce nom de joueur que je ne pourrais pas prononcer parce que sinon la blague déjà, je l'ai faite déjà 4 fois pendant cette vidéo. Donc c'est chiant, hein, je le sais. Je vais me mettre tout en haut. Fuck. Et fuck, il commence à me toucher le canon de la mort. Ok, bon je vais pouvoir passer tranquillement quand même. Ok, et là j'ai avancé en frisant, tout simplement. Faites la même si vous êtes en GBZ, même non boosté, je suis sûr que ça va passer. Alors après le freeze va coûter de plus en plus cher, je le sais. Et juste après, je vais friser l'électrocanon. Je vais laisser mes troupes vraiment... Non, je vais les repositionner juste après. Hop, même tout de suite, nickel. Je les repositionne là, je remets un petit envoi de bestiole. Et ben cet événement, il était plus facile que les trois derniers. Déçu au niveau des cristaux, après c'est moi et ma chance, hein, donc ça change de tout le monde. On a bien rigolé quand même pour ces 500e vidéo. Voilà, donc j'espère en tout cas ça vous a aidé pour ceux qui sont en GBZ. Faut que je fasse du full guerrier aussi sur l'étape d'imitation, pourquoi pas le full carbo, ça peut être sympa de raser cette map comme ça. Attends, c'est moi ou... Mais 3 fragments de mama à l'étape 7. Pourquoi ils font pas comme le Dr. T où t'es obligé d'en gagner un gros à l'étape 6 et 7, franchement ça serait vraiment cool. Bon, j'ai pas eu de chance. Franchement, j'ai pas eu de chance. Je veux juste voir avec tout ce que j'ai gagné. J'espère que je peux quand même. Ouais, je peux quand même. Bon, j'avais 7 gros cristaux rouges, mais c'était fait avant. Je les avais gagnés avant. Voilà pour les étapes d'imitation à GBZ. J'espère que je vous ai bien fait rire. On s'en fout. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description de la vidéo. Je m'en mêle le pinceau pour cette 500e vidéo. Merci d'être toujours aussi présent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et surtout. À lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. On se retrouve très bientôt. Salut à tous.